tu adores ça. Je suis la seule fille de ma maman, qui est une veuve. Il était une fois. Ma maman m'avait envoyé au champ prendre quelques bois. Après ma mort, ma maman m'avait beaucoup pleuré et elle était morte tout en étant brisée. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Je vais bien. Ok, papa est en train de t'appeler. Oh, c'est papa? Ne t'inquiète pas, je vais juste après toi. Je suis sûre que tu vas bien. Juste après toi. Papa, tu m'as appelé? Oui. Mon fils, tu sais que je ne suis plus jeune. Ah, papa, tu as encore recommencé. Là n'est pas la question. Obina, tu es mon unique fils. Obina, tu n'es plus petit pour le comprendre. Je veux que tu te maries. Que tu te maries tôt. Après tout, tu as fini tes études universitaires depuis l'année dernière. Te voici retourner au village. Marie-toi. Ah, papa, je veux me marier. Je veux me marier. Je veux me marier au temps convenable. C'est juste pas le bon moment pour moi. Le bon moment? De quel bon moment parles-tu? Obina, avant que je ne rejoigne mes ancêtres, je voudrais porter mes petits-enfants. Tu le feras. Tu vas amener tes petits-enfants. Mais au bon moment. Je pense que ceci est le dernier de mes souhaits. Pour vous, mes enfants. Faites-les pour moi. Faites-les bon. Pour moi. Mettez-moi bon. À l'aise. C'est bon, papa. Je te laisse. Je te laisse, papa. Sinon, tu es sûr qu'il n'y a pas de choses que tu voulais me parler? Attends. C'est quoi ça? Obina, pourquoi tu fais cette tête? Dis-nous qu'est-ce qui c'est encore, papa. Tu sais, depuis que je suis revenu de l'école, papa n'arrête pas à me déranger. Qu'est-ce qu'il t'a bien dit? Il veut maintenant que je me marie après pour qu'il soit à mesure d'amener ses petits-enfants. Mais Obina, tu sais ce que papa dit est vrai, hein? Tu es le fils unique pour notre père, de même que lui pour son père. S'il te plaît, cherche une fille dans ce village et marie-toi avec elle. Obina, ce que Oudjou a dit est vrai. Tu dois trouver une femme. Regardez, arrêtez ça. Arrêtez de dire ça. Hein? Je te soutiens, papa. Écoute-moi ça. Tu sais que tu es l'unique fils.
Vous les filles, vous n'êtes pas aussi sérieuses. J'ai pensé venir ici pour me sentir mieux. Vous faites encore plus pire que ça. Obina, laisse-les. Bientôt, il comprendra quel est le devoir d'un fils. Laissons-le, je ne sais pas comment il réfléchit. Il n'a pas encore compris que notre femme a besoin de descendants. Il ne les comprend toujours pas. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Bébé, c'est à cause de mon père. Il me colle sur le cou. Il veut que je me marie. Mais tu es le seul fils. Pourquoi pas te marier, être stable? Bébé, ce n'est pas une question de se marier ou d'être stable. Est-ce que tu es d'abord prête pour être ma femme? Bien sûr, je suis prête, bébé. Je suis prête. Je suis prête, je suis prête, je suis prête. D'accord. Concernant les moyens financiers qu'on doit dépenser, tu sais, ça demande beaucoup d'argent pour ce genre de choses. Bébé, tu as oublié que ton père a laissé son business pour toi. C'est toi le responsable de son business. Alors, tu peux commencer par là. Tu es sûre que tu es prête pour ces mariages? Je suis prête. Tu l'es? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je parlerai à mon père et je crois que mes sœurs l'apprécieront. Ok, alors. Tu es sûre? Oui. Merci. Ça, c'est bien. Mon ami, dis-moi, qu'est-ce que tu lui as dit? Je suis prête, bien sûr. Très bien joué. Tu sais que son père lui a laissé beaucoup de propriétés. Tu as bien fait de le choisir, ma chérie. Tu sais combien j'aime Obina. Je l'aime beaucoup. Oh. Et je ne peux les trahir pour n'importe quoi. Ma chérie, laisse-moi te dire ceci. Le fait de nos jours ici, cette petite fille ne blague pas haut. Laisse-moi te le dire. N'importe quelle fille que je verrai auprès d'Obina, je vais en finir avec elle. Parce que Obina est à moi et il va partir seul. Ça mérite une célébration, ma chérie. Viens, achète-moi à boire, s'il te plaît, dépêche. Allons-y dans le shop de Mama de Ebir. D'accord. Ngozi, c'est qui? Ngozi? Papa, c'est la fille du chef Maziokeke. Le chef du village. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Oh, le chef du village. Oui, papa. Je les connais très bien. Très bien. Oh, elle doit appartenir à une très bonne famille. C'est une très bonne chose. Qu'elle vient de me voir. Tu comprends?
C'est bon, papa. Ce n'est pas un problème. Très bien. Je peux juste m'informer et je vais l'amener. Très bien. J'ai un cadeau pour toi. Une fois que tu te seras marié, d'accord? Je te lèguerai toutes mes propriétés, tu comprends? Celle de la cité et tous les autres terrains. C'est toi qui vas collecter le loyer de toutes les maisons que je construis dans la cité. Oh. Et bientôt, tu deviendras le bailleur. Tu ne seras pas un courtier, mais un vrai bailleur. Et ça va t'aider toi et ta femme pour commencer avec votre vie. Merci, papa. Et très bientôt, tu deviendras homme. Papa, je suis déjà un homme, n'est-ce pas? Non, tu n'es pas encore un homme. Hein? C'est le mariage qui définit qui est un homme et qui est un garçon. Ah, hein? Tu sais, ce n'est absolument rien. Ce n'est que quand tu vas te marier et que tu vas commencer à grandir. Tu apprendras comment vivre avec une femme et aussi avec tes enfants. Ils commenceront à dire « Ah, papa, 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 c'est alors que tu seras un homme. Hein? » Apporte-moi de l'eau à boire. C'est d'accord, papa. Très bien. Ok, je vous reviens après. Ah, Obina, attends, non, je t'ai entendu parler de papa. Qui est cette fille? Je devais raconter ça à l'idiote que tu es. Je devais te dire à qui je dois me marier. Obina, arrête ça, non. Pourquoi tu fais ça? Ne suis-je pas ta sœur? Je t'ai entendu parler avec papa. Oui, je vois. Papa m'a demandé de la porter de l'eau. Alors, laisse-moi la porter de l'eau. Et après, je te dirai tout. Viens, non. Ah, ah. Dis-moi, non. Ne viens pas avec n'importe quelle fille dans cette parcelle. Hey, qui n'est même pas belle. C'est ton problème, c'est quoi? Tu fais un truc de connerie. Alors, détends-toi. Mais je te dis, après avoir apporté de l'eau pour papa, je te dirai et tout. Ah, mais puis tu peux un peu te calmer et laver ton corps. Hein? Je peux t'aider avec de l'eau. Ne t'inquiète pas. Mais je fais vite. Laisse-moi t'aider. Dis-nous, c'est qui cette fille? Écoute, Obina, nous sommes les seules sœurs que tu as dans ce monde. En bref, nous sommes tes sœurs ainsi que tes frères. Alors dis-nous la vérité, quelle est cette fille? Nous voulons connaître la vérité. Mais toutes quelle est cette deux, fille? Vous connaissez déjà ma petite amie, Ngozi. Ah ah, nous connaissons la fille. Je ne la connais pas. Tu la connais? Je ne sais pas. Ngozi, non? La fille de ce monsieur qui est chef du village. Vous la connaissez, non? Ngozi. Ngozi. Ngozi est une bonne fille. Ngozi est une bonne fille. Je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il ne va pas dire à propos de ça? Bien. Papa a accepté, raison pour laquelle je vous ai apporté cette information. Papa a raison. Tu sais, papa est un éducateur, alors il doit tout savoir. Ah, Ndake, j'aimerais bien informer Ngozi à propos de ça. Là, dire que elle va fixer une date pour voir ma famille. Hey, c'est mon début. Mais c'est bon. Donc tu vas te marier bientôt. Quand tu vas te marier, tu vas arrêter de faire ses cheveux. S'il vous plaît, je peux déjà oublier que j'avais faim, hein? Vous les filles, c'est déjà le temps de manger, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je vais t'apporter quelque chose à manger. Mais très bientôt, ta femme doit venir préparer pour toi. Je vous en supplie. Oh, oui, je vais d'abord trouver un bon travail avant d'affronter le mariage. Alors j'aurai la force d'affronter le mariage. S'il vous plaît, apportez-moi manger. Hey, j'aime aussi beaucoup manger. Je t'ai jamais apporté. Ok, je t'apporte manger. Oui. D'accord. Dis-moi un peu, ta femme là, elle peut aussi préparer? Est-ce que toi, tu peux déjà cuisiner? Tu peux cuisiner? Alors, à propos d'Abacha, elle peut aussi préparer Abacha. Mais les filles, avec la sauce. Vie. Hein? Est-ce que mais écoute. Dans cette communauté? Elle sait déjà faire beaucoup d'argent. Était vraiment une fille, une bonne fille, vraiment. Ah bon? Je ne sais pas la façon dont j'ai l'air bien et frais. Je vois, mais qu'est-ce que tu peux préparer? Mais tu vas perdre du poids. Est-ce que j'ai perdu du poids à ce point? Tu ne vas pas le perdre, mais quand tu vas te marier. Je vais commencer à manger un petit dégozé. Je l'avais dit, oh. Je l'avais dit. Regarde, c'est ça ici, c'est ça ici, c'est ici. Cela veut dire qu'elle ne veut pas préparer, oh. Mais écoute, écoute ce que nous allons faire. Quand elle viendra voir papa, on fera ceci. On lui donnera Abacha et le poisson et on va tester. Ou tu as l'air d'une personne qui sait préparer. Alors, va préparer. Non, non, elle doit préparer la nourriture et nous amener ici, amener à sa famille. Elle doit acheter notre amour, bien sûr. Dans quelques jours, hein. Comme une audition. Elle va respecter la tradition juste parce que
parce que c'est pas vrai. Elle doit venir habiter avec nous pendant 2 semaines pour qu'on voit si elle est une bonne femme. C'est comme si tu vendais ton frère. Hein? Si Ngozi vient ici pour 2 semaines, je vais l'engoncer. D'ailleurs, ça sera bien parce qu'elle va mettre au monde, parce qu'elle mettra au monde un beau garçon comme toi. Eh, wow, pour que vous me disiez que j'ai de toute sa fierté en engrossant cette fille. Bonjour, papa. Je suis vraiment désolé de déranger votre sommeil. Ce n'est pas grave. J'étais vraiment à fond. J'étais en train de rêver. Peu importe, je vais devoir partir pour voir une dose. Ok, ok. Très bien. C'est très bien, alors. N'oublie pas de lui dire que je veux la voir. C'est bien, je vais l'informer. Je ferai comme vous avez dit. Mon Dieu. Regarde. J'ai parlé à mon père et à mes sœurs à propos de toi. Et ils étaient tellement contents de toi. Dis-moi quand je te parle. Ils sont impatients de te voir. Sérieux? Mais le truc est que tu dois m'attendre quand je serai prêt, tu vois, pour t'informer. Afin que tu viennes. Je suis très heureuse, mon amour. Je suis très heureuse. Merci. Oui, je ne pensais pas qu'ils allaient m'accepter. Papa, ils vont t'accepter. Aussi longtemps que tu viens d'une bonne famille, ils vont t'accepter. Je te dis. Mais s'il te plaît, bébé, tu dois faire ça pour moi. Afin que tu viennes dans notre maison. S'il te plaît, c'est très, très important. Avant de répondre à aucune question, pense d'abord à ça. Parce que mon père est très sage et très éduqué. Tu comprends? Mon amour, as-tu oublié qui suis-je? Tu as oublié que mon oncle est aussi dans ce village? Oh, c'est vrai. J'avais oublié. Je t'aime. Je t'aime plus que toi. Je suis tout à fait à toi. Merci. Et moi aussi. bébé, je veux que tu la prennes au sérieux. Wow! Je serai heureuse de marcher à tes côtés. Mon cœur! Sais-tu que notre frère Obina a maintenant une fille qu'il doit épouser? Oui! C'est vrai? Qui est cette fille chanceuse? Ah, Ngozi, la fille qui habite juste à côté. Hey! Je connais très bien Ngozi. C'est une fille très très jolie. Et elle n'est pas du tout complexée. Hey, Dieu merci pour ton frère, oh. En tout cas. Tu as raison. Connaissant vous deux, et connaissant l'amour que tu as pour ton frère, je souhaite que tu n'iras pas battre cette fille-là hein, à tout moment. Hein? Tu nous connais très bien. On n'a jamais fait ça, mais nous planifions pour le faire. Oui, yo. On ne peut pas laisser une fille entrer si facilement dans cette maison. Mais ne t'inquiète pas. Nous allons mener des enquêtes et être sûrs qu'elle n'a pas d'autres petits amis. Heya, n'est pas allée avec vous? Qu'est-ce que tu fais alors ici? Je compte sur toi. Non, vraiment. Eze, qu'est-ce que tu peux dire à propos de ce mariage de Obina et ta sœur? Ngozi m'en avait parlé depuis hier. Je suis très heureux pour elle. Si vraiment elle est amoureuse d'Obina, alors elle peut l'épouser. Nous devons voir notre pasteur pour qu'il prie à propos. Je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Pasteur, pourquoi? Devons-nous toujours rencontrer le pasteur pour tout ce qui se passe dans cette famille? Nous ne devons pas le traiter physiquement. Nous devons le rencontrer pour qu'il prie pour nous. Grande sœur, regarde. Laisse-la tranquille. Donc tu veux me dire que tout ce qui te concerne, c'est la prière. Pour une petite chose, tu dois aller faire appel au pasteur pour prier pour nous. S'il ne vient pas, alors nous n'allons pas manger.
J'ai donné mon avis, yo. Laisse faire. Ok. Laisse faire. Bonjour, Serette. Où étais-tu? J'ai tellement faim. Où tu es-tu? Serette. Sais-tu faire autre chose dans cette maison à part manger? Toutefois, j'étais chez Uju et Nkechi. Devine quoi? S'il te plaît, dis ce que tu veux dire. Je ne suis pas forte en devinette. D'accord, je vais toujours te le dire. Sais-tu que le frère d'Nkechi et Uju Obina a finalement trouvé une fille qui peut épouser? Grande sœur, qui est-elle? Ngozi, non? Ngozi, la fille de l'ancien directeur. Cette fille est très belle. Je ne suis pas surprise d'entendre que Obina l'a finalement choisie. Qu'est-ce que c'est ça? Grande sœur, n'es-tu pas belle? Tu étais avec Uju et Kechi depuis ton enfance. Maintenant, elle est ton père préféré pour leur grand frère. Elle parle encore. Regardez-moi où tu es-tu, yo. Où tu es-tu? T'ai-je déjà dit que je suis intéressée à épouser Obina? Peu importe ce que tu me dis, tu ne connais pas les hommes. Tu ne veux pas que tu es âgé et que tu dois te marier. Tu préfères rester ici sans rien faire. C'est quoi donc ça? Tu es une grande sœur, tu dois te marier. Pourquoi tu n'as pas respecté les grands enfants? Pourquoi tu ne me respectes pas? Respecter qui? Respecte-toi toi-même. Regardez cette fille. C'est Rémi que tu me donnes à manger. Oh. Tu n'es pas intéressée par Obina. Tu vas regretter. D'ici là, tu vas regretter. Quand je vais. Alors, viens me manger, non? Viens me manger. Tu n'as même pas honte. Va te marier. Tu sais qui manger dans ta vie. Viens me manger. N'importe quoi. Ma chère, je vais visiter sa famille demain. Mon ami, ok, habille-toi très bien haut pour que son père ne te dise pas quelque chose de mal. Hein? Bien sûr, je vais m'habiller bien. J'ai déjà mes habits. Je suis prête pour... J'ai confiance en toi. Je sais de quoi est-ce que tu es capable, mon ami. Merci. Devine quoi? Quoi? Devine, non? Vas-y, devine, non. Tu sais que je ne suis pas forte en devinette, s'il te plaît. Mon amour, Robina m'a dit qu'on va se marier le mois prochain. Si son père approuvait cela. Oui. Mon ami, oh, je suis très contente pour toi, tu sais. Écoute, s'il te plaît, branche-moi aussi. Vas-y. Alors, comment tu dis ça? Si je ne te dis pas, je dirai encore à qui? Tu es ma sœur, tu es ma meilleure amie. Tu es plus que ma sœur. J'ai confiance en toi. Oui, tu es plus toi. Que ma sœur. Mon ami, écoute-moi, je suis très contente pour toi. Merci, je suis Je suis impatiente de voir le jour en question. Merci. Hey, ma chérie, je te dis, hein, je vais danser à mort. Je serai vraiment à l'honneur ce jour-là. Je sais. Viens, je vais te montrer l'habit. Viens à la maison. Papa, Ngozi vient aujourd'hui pour te voir. Oh, elle arrive? Oui, papa. Alors, je vais l'attendre. Mais est-ce que tu as informé à tes sœurs qu'elle va venir pour que je fasse quelque chose? Elles savent qu'elle est en train de venir. En fait, je les ai parlé avant que je n'arrive ici. Du moment où je te parle, papa, elles sont à la cuisine en train de préparer. Tu sais quoi? Va dans la maison et tu verras mon portefeuille sur le lit et tu prends de l'argent qui s'y trouve pour acheter de la boisson pour que nous la souhaitions la bienvenue. Papa, tu es très content du fait que Ngozi vienne dans ta maison. Pourquoi ne devrais-je pas être heureux? Pourquoi pas? Et à quelle heure a-t-elle dit qu'elle viendra? Oui, je parle que ça sera à midi. Mais il est presque 12h. Oh, ah bon? Mais c'est vrai, oui. Laisse-moi un peu le voir. Rappelle-toi, c'est mon portefeuille. Ne te quitte pas, papa. Papa, qu'est-ce que tu aimerais prendre? Snapple. Très bien. Ton préféré. Bienvenue. J'arrive, papa. À toi, ma future belle fille. Ouh. Elle est en route. Thank you.
Ngozi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu cries? Ngozi est morte. Je ne comprends pas. Oui, je vis encore quelque part là-bas à côté du marché. Hey, Timo, hey, Seigneur, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le problème? Ngozi est morte. Non, mais qu'est-ce qui est mort? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est mort. Obina! Hey, Obina! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Obina, Ngozi est morte. Arrête de plaisanter. C'est quel genre de blague tu fais là? Obina, je ne blague pas avec toi. Ngozi est morte. En venant comme ça, j'ai vu un entroupement qui l'encerclait. Et quand je regardais comme ça, c'était le corps de Ngozi. Je ne blague pas. Tu te moques de moi. Obina, comme je te parle maintenant. C'est peut-être que tu as laissé derrière. Obina, je ne peux pas blaguer avec la mort. Elle est morte. Ngozi est morte. Hein? Ngozi est morte. Viens avec moi. Viens, tu vas voir. Viens. Hey, ma sœur. Qu'est-ce qui c'est? Ma sœur. Hey. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne sais pas où. On a juste retrouvé son corps dans la rue. C'est moi, Obina. Parle-moi. S'il te plaît, parle-moi. Tu te rappelles que nous sommes supposés de nous marier. Bébé. Ngo. Non. Réveille-toi. Ngozi, c'est Obina. C'est moi, mon amour. C'est moi. Ngozi, tu ne peux pas me laisser. S'il te plaît. Non. Hey. Non, ça ne peut pas être vrai, non! Ojo,
comment ça se passe avec ton frère depuis que Ngozi est morte? Ma soeur, ce n'est pas ça. Oh. Ce n'est pas ça du tout. Peux-tu imaginer qu'il y a une semaine passée que je n'ai même pas vu mon frère? Il n'ouvre même pas sa chambre pour manger ni boire quelque chose. Il ne nous parle pas, moi et Kechi. Je peux comprendre sa peine. C'est pas facile pour lui. Je le comprends aussi, oh, mais je ne veux pas que cela lui affecte autant. Oh, Joe, ça c'est le meilleur moment qu'il a besoin de votre soutien, votre amour et votre attention. Parce que jusqu'à présent, c'est comme dans un rêve. Mais avec le temps, il va faire face à la réalité. Il doit accepter, oh. Il doit accepter la réalité vite, vite. Parce que moi, mon meilleur ami me manque. Et mon frère est mon meilleur ami. Il me manque beaucoup. Le problème est que personne ne connaît ce qu'Ngozi a fait. Ça m'a aussi surprise. Ça ne s'est jamais fait dans cette communauté. Quelqu'un est mort comme ça et personne ne sait qu'est-ce qui lui est arrivé. Seul Ngozi et Dieu qui le savent. Parce que Ngozi ne saura pas nous dire qu'est-ce qui lui a tué. Le mort ne parle pas. Tu partais quelque part? Je suis juste ici pour surveiller la parcelle. Mais toi aussi, tu ne vas pas manger? Je vais manger, oh, mais je ne sais pas si toi tu vas manger. Je ne sais pas, mais moi j'ai faim, je vais manger. Oh. Oui, tu vas manger, tu vas manger. Tu sais bien que nous nous sommes éprouvés, mais toi tu veux manger. Alors regarde, reste un peu loin de moi. Allons-y. Regarde, je vais te donner ça, oh. Bonjour, grande sœur. Grande sœur, je vais bien. Grande sœur, tu ne visites pas tes amis aujourd'hui? Cette maison s'est transformée en maison de larmes. La dernière fois que j'étais là-bas, le visage de tout le monde était triste. Même la nourriture qu'on m'a donnée, je n'ai même pas pu manger. Je préférais leur donner de l'espace pour les moments, qu'ils soient en paix. Grande sœur, je crois que tu as un problème. Ta tête ici ne fonctionne plus bien. De quoi parles-tu, Uchechi? Grande sœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu m'appelles stupide? Grande sœur, je ne t'appelle pas stupide. Mais j'ai dit que c'est ça l'opportunité. Quelle opportunité? Grande sœur, c'est le temps de posséder les cœurs d'Obina. Maintenant que Ngozi est morte, c'est possible que tu partes chez elle chaque jour, prendre soin d'elle et posséder les cœurs d'Obina. Directement, il tombera amoureux de toi. Hey, Ifoma, il n'y a rien que tu ne peux pas voir dans cette vie. Uchechi. Grande sœur. Je te l'avais dit avant. Je n'ai jamais été intéressée d'épouser Obina. Mon mari à moi viendra. As-tu compris? Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que tu dis? Uchechi. Grande sœur. Si tu aimes autant Obina, pardon, la porte est grandement ouverte pour toi. Va chez Obina et tente ta chance. M'as-tu comprise? Je ne vais pas être en colère contre toi ce matin. S'il te plaît, les sorts. Grande sœur, tu avances un âge, oh. Tu avances un âge. Vas-y, t'es mariée. Regarde-toi bien. Tu vois, moi, je vais me marier d'ici là. Et toi, tu vas regarder. Tu vas rester dans cette maison. Moi. Oh, je ne vais plus voir ta tu vas rester. Ici. Tu vas mourir dans cette maison. Une vieille femme. Regarde-moi. Mais ça, c'est quel problème, oh? C'est pas ta faute, oh. C'est maman qui t'a rendu comme ça. Stupide. Peux-tu imaginer, Uchechi, que je pars me marier? Cette fille ne respecte pas les gens. Obina, papa, tu sais qu'il s'en va faire presque une année depuis que nous avons perdu Ngozi. Je le sais. Et jusqu'à quand est-ce que nous allons attendre? Est-ce que tu nous amènes quelqu'un qui prendra sa place dans cette famille? Évidemment, papa. Hier, j'avais déjà eu cette conversation avec mes soeurs. Tu sais, je les ai donné ma parole. Je vais
amener quelqu'un à la maison. Maintenant que nous avons encore cette discussion, je vous donne encore ma parole pour la deuxième fois. Très bientôt, je l'amènerai à la maison. Et cette dernière doit appartenir à cette ville. Parce que figure-toi, ta maman veut aller de cette ville. Ok. Et je veux que mon fils épouse une fille de cette ville. C'est d'accord, papa. Je le ferai comme tu l'as dit. J'ai appris que quelques locataires ont déjà commencé à payer leur loyer. Oh, déjà? Parce que j'ai remarqué qu'il y a des messages que je suis en train de recevoir qui me le confirment. Et je veux que tu prennes ma carte, que tu ailles à la banque pour retirer un peu d'argent. D'accord, papa. Je les ferai comme ça. Quel genre de carte bancaire je dois prendre? Ton ancienne carte ou celle qui est nouvelle? Prends les deux. D'accord, papa. Papa, combien d'argent je dois retirer? Retire 50 000 d'abord. C'est compris, papa. Oh. Excuse-moi, monsieur. Hein? Tu as fait tomber ta carte. Ah, ma carte bancaire? Oui. Merci. Et c'est quoi ton nom? Mon nom, c'est Adolissa. Adolissa? Et c'est comme ça que je lui ai rencontré. Hey! As-tu parlé avec papa à propos de ça? Pas encore. D'où est-ce qu'elle provient? Ah, évidemment, elle est de ce village. Hein? Mais ses deux parents sont décédés. Ah, misère. Parfois, elle reste à la cité, chez son oncle. Ah, toutes les filles de la ville. Mais Obina, est-ce que tu l'aimes vraiment? Mmh. Comme un infirmier qui fait son traitement, je suis amoureux d'elle. Je suis amoureux de cette fille, Olissa. C'est important. Non, mais t'en prends. Prends. Ok, je ne le vais plus. Non, s'il te plaît, prends pour la dernière fois. C'est vraiment bon. C'est très bon. Prends ceci. C'est tellement bon. Attends, où est-ce que tu l'as acheté? Je l'ai acheté au marché du village. Laisse-moi prendre. Donne-moi ça. Donne-moi, je vais prendre ça. Fais sortir l'autre. Tu sais comment je l'appelle? Mais on appelle ça l'orange. Orange. Ce n'est pas ça. Ok, l'orange de l'amour. Orange d'amour. Ok, ça c'est une partie de ton amour. Pas vraiment ça. Oui, quelque chose comme ça. Le soleil des le terme orange est plus douce parce que ma copine est douce. Le mien aussi est sucré. Sucré plus que le tien. Je ne mangerai que ça. Même si tu deviens ma femme. Et je saurai ce qui te plaît. Hein. Non, enfin, tu ne connais pas combien mon amour est sucré. Savoir. C'est maintenant toi de me donner. Parce que moi, je t'ai donné en premier. Hein? Tu n'es pas romantique. Hein? Dépasse-moi pour ça. Il est temps pour toi de consommer, mon amour. Ton amour est de sucre. Ouais. Je t'avais dit que le mien est sucré. Toi aussi, tu l'as vu. Très doux. Par contre, je suis très doux. Non, c'est un mensonge. Allez. Regarde. Vraiment, on doit tout finir. Pour l'amour de l'orange.
Toi, tu prends ça. Ah, ah, as-tu fini tes oranges? Ok. Je vois que tes cheveux sont un peu abîmés. Ce n'est pas vraiment ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi tu veux juste t'amuser avec moi? Il faut payer une petite somme. La prochaine fois, je vais devoir payer, hein, même si je te demande beaucoup d'argent. Parce que elle t'utilise. Parce que tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Papa, je vais être sincère avec toi. Je l'aime. Et je vais faire d'elle ma femme. Puisque tu l'as dit alors, il n'y a pas de problème à moi ce que je la vois. Bien, papa, je vais l'informer de ça. Tu ne m'as même pas demandé d'où elle provient. Mais je vais te dire, elle est de ce village, juste comme tu le préfères. Mais papa, elle souffre un peu. Mais elle habite avec son oncle à la cité. Désolé, il n'y a pas de problème, je dois la voir. C'est bon, je vais m'informer sur ça. Il n'y a pas de problème, mon cher. Oui. Laisse-moi aller rejoindre mes serviteurs. D'accord. Bébé? Oui. Mon père et mes sœurs veulent te rencontrer. Me rencontrer? Et pourquoi? Je crois que tout va bien. Tout va bien. Je veux dire, je les ai parlé de toi et ils étaient contents. C'est pourquoi je dois t'amener à la maison. Es-tu sérieux? Oui. Je dirais, pourquoi tu leur as parlé de moi avant que tu me le dises en premier? Ah, je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir informé en premier. Mais je veux dire, c'est tout ce que tu sais maintenant. En fait, laisse-moi aller droit au but avec toi. Hein? J'ai dit à mon père que j'aimerais bien te poser. Et j'ai pensé que tu crierais en sachant. Je ne devais pas juste être dans la rue avec toi. Je devais... Alors, je dois... les rendre officiels à tes vœux. Parce que tu vois, si je t'ai demandé d'être ma femme, tu vas vouloir dire non, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas important, parce que nous aimons réciproquement, n'est-ce pas? Oui. Faisons ça de manière officielle. Est-ce que tu acceptes d'être ma femme? Veux-tu m'épouser? Bien sûr, je le vais. Ah. Merci beaucoup. Je t'aime. Je n'ai plus le temps de te faire ma femme. Je t'aime beaucoup et je vais devenir ta femme. Nkechi, comment tu vas? Et comment va ton frère Robina? Je vais bien et mon frère Robina va aussi bien. Depuis la mort de ma sœur, je n'ai vu aucun d'entre vous. Et aussi, je dois avoir une discussion particulière avec vous. À quel sujet? Après la mort de ma sœur, je suis allé voir notre pasteur pour la prière. Et le pasteur m'a dit que la mort de ma sœur trouve sa source dans votre famille. Bien aisé. Ça veut dire quoi tout ça? Regarde. Toi et ton faux pasteur, restez loin de moi et de ma famille. Non mais Nkechi, il m'a même demandé de vous dire d'être beaucoup plus attentif parce que la mort tourne autour de votre famille. Sans effet, la mort va tourner tout autour de toi et ta famille. Regarde, ça te regarde toi et ta sœur, pas moi. Je m'en vais. Nkechi, tu as vraiment intérêt à m'écouter, oh. Tu réfléchis un peu à propos de ça. Jusqu'à présent, personne ne connaît qu'est-ce qui a tué Ngozi. J'ai entendu que son frère était allé voir un pasteur et il lui a dit que si Ngozi est mort, c'est à cause de ma famille. Que les faits soient sur lui. Notre famille, comment? Ces pasteurs avec leurs mauvaises prophéties.
Tout ce qu'ils veulent, c'est nous mettre en conflit avec la famille d'Ngozi. Getchi, comment tu connais tout ça? J'ai rencontré Ezi en route et il m'a tout dit. Il m'a demandé de faire attention et de prier. Oh, alors et pourquoi il ne priait pas depuis longtemps là que leur enfant était en vie? Oh. Maintenant qu'elle est morte, c'est pourquoi il veut prier. Ah, mais je remercie Dieu que son mariage n'ait pas lié avec Obinao. Je remercie Dieu qu'elle soit morte avant d'entrer dans notre famille. Parce qu'on n'a pas d'argent pour le finir. Mais Obinao allait faire quelque chose. Le plus vite possible. Où est-il lui-même? Je ne sais pas. Ngozi, qu'est-ce que tu fais ici? Obina. Ngozi, je t'avais cherché partout. Où étais-tu parti? Obina, mon amour, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ah, Ngozi, approche. Oh. Ngozi! 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 Ngozi quoi? Obina! Je vis Ngozi. Dans mes rêves. Obina! Ngozi est morte. Et les morts n'ont plus de lien avec les vivants. Tu n'as qu'à venir manger. La nourriture est prête. Tu me parles d'Ngozi. Viens manger, oh. J'arrive. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. N'est-ce pas une côte? Je crois que cette nourriture est déjà prête. Bonjour Robina. Okamaka, comment est-ce que vous allez? Je vais bien. J'ai fait un mauvais rêve sur toi la nuit dernière. Oui. Tu m'as parlé de mauvais rêves? Ouais. Raconte-moi tous de ces rêves dont tu me parles. Bien, je ne me rappelle plus. Oh. Sois juste fort en prière. Okamaka, nous savons que tu es une très grande femme de prière, n'est-ce pas? Sens-toi libre de me mettre dans ta prière. Maintenant, je suis sur mon chemin pour rencontrer une personne de très, très, très important. Merci pour ton conseil. Ce garçon de nos jours ici, hein? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Que Dieu ait pitié de toi. Oudjou, Nkechi, j'ai une chose à vous demander. Qu'est-ce qu'il y a? Ton visage est aussi sérieux. C'est à propos de la fille que votre frère voulait épouser. Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je dis, qu'est-ce que vous connaissez sur cette fille? Hein? Qui sont ses parents? Qui sont ses frères et sœurs? Avez-vous des vraies informations sur elle? Bien. Notre frère a dit qu'il venait de la ville et que ses parents étaient déjà morts. Même si ses parents sont morts, qui sont ses parents en question? Est-ce que l'une de vous connaissait qui était son père ou sa mère et même ses oncles, même celui chez qui il restait en ville? Informa, tu cherches ton oncle? Hein? Tu as perdu l'un de tes oncles? Ou bien tu ne retrouves plus ta famille? Qu'est-ce que les oncles ont fait? Ses oncles ont fait quoi? On ne connaît pas qui sont ses oncles. Lorsque notre frère sera de retour, tu vas lui demander à propos de ça. Ne t'inquiète pas, on va lui demander. Cette question est très importante.
D'accord. Je le dis parce que l'autre fois, je l'avais croisé avec votre frère en cours de route. Et il y avait quelque chose que je n'avais pas aimé chez elle. Je peux voir la jalousie sur toi. Attends. Ne me dis pas que tu ressens quelque chose pour mon frère. Peux-tu la fermer? Tu commences à faire des choses comme ma soeur ou Tchéti. Pourquoi ne pas nous dire depuis longtemps qu'on allait te connecter avec notre frère? S'il te plaît, pardon. Arrête! Je ne tombe pas du tout sur ce charme. Ah et je ne suis jalouse des personnes. Je pense qu'il est temps que nous puissions mener des investigations sur cette fille Ngozi. Oh, tu as raison. Écoutez, je sais que votre frère est l'unique fils. Et vous ne pouvez pas le pousser à épouser n'importe quelle fille. Bien. De toutes les façons, Obina l'aime beaucoup. Je n'ai pas de problème avec elle. Mais si vous voulez faire des vérifications, en tout cas, je vous permets de vous dire, moi, je ne suis pas intéressée. Bonne chance à vous, moi, je ne suis pas intéressée. Vous pouvez partir, compte à moi. Je ne suis pas intéressée. Je ne peux plus attendre voir mon frère se marier. Alors que toutes les femmes qui portent son choix ont toujours des problèmes. Je suis fatiguée. Moi, j'en ai marre. Vous n'êtes pas sérieuses, les filles. J'ai pas de choses importantes, il faut me parler de travaux ménagers. Comment êtes-vous? Sera-t-elle votre bonne? Peu importe. Yeah. Ce que tu es en train de dire est important pour toi. Et ce que nous sommes en train de dire est aussi important pour nous. C'est plus important pour nous. Yeah. Donc, chacun fait ce qui est essentiel. Ah, où est cette fille, non? On était supposé nous rencontrer à 12 heures. Hein? Et j'ai couru ici pour être à l'heure. C'est quoi ce genre de choses? Ah! Je l'ai vu de me raconter ici. Et ma famille serait inquiète. Je suis vraiment sûre de ça. On était supposé nous raconter à 12 heures. Hein? Comment est-ce qu'elle a pu oublier? Elle veut seulement que je sois déçu d'elle. Et pourtant, je sais. Hein? Ah! Mais j'étais en train de t'attendre. Nous nous sommes mis d'accord que nous devons nous rencontrer à 12 heures. Je suis là. Regarde ta montre. Oh, c'est 12 heures déjà? Oh, mais comment est-ce que tu t'es arrivé ici? Je veux dire, Je suis venue par ici. Souviens-toi, tu regardais comme ça lorsque je venais. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ma famille nous attend. Alors, comme je t'ai vu, c'est bon, nous pouvons déjà partir. Allons-y, bébé. Papa, je te présente Adolissa. C'est la fille dont je t'avais parlé. Bienvenue, ma fille. Merci beaucoup, papa. Alors, dis-moi, d'où est-ce que tu es? Papa, je suis de ce village. Et mes parents sont morts lorsque j'avais encore 5 ans. Et après cela, j'habitais avec mes oncles en ville. Je viens d'arriver ici il y a 2 mois passés. Alors, tu étais en train de vivre dans la maison de tes parents seuls? Oui, papa. Alors, mon fils Obina m'a raconté beaucoup de choses autour de toi. Et je voudrais l'entendre de ton oncle aussi. Pas de problème, papa. Je donnerai à Obina son numéro et vous allez parler avec lui. C'est très bien. C'est bien. Alors, Obina. Papa? Tu dois l'amener chez tes sœurs, d'accord? C'est bien. Une fois de plus, bienvenue, ma fille. Merci, papa. Laisse-moi terminer à présent. Ah, monsieur. Adolissa. Elle, c'est son monsieur. Ok. Elle, c'est Adolissa, la fille dont j'ai osé parler. Oh, elle est très belle. Je t'ai vraiment su que vous voulez l'apprécier. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. Bébé, va t'asseoir. Ok. Ah, Obina, quitte, non, nous voulons causer entre les filles. Ah, vous les femmes, vous êtes en train de me chasser? Oui, quitte. Ok, dans ces cas, je serai de l'autre côté avec papa. Ok, mon amour. Et dis, ok, mon amour. Vous êtes jalouse, hein? Je suis très jalouse, vous êtes vraiment jalouse. Je ne suis pas jalouse. Vous les filles, restez en paix, hein?
prenez bien soin d'elle. Prenez bien soin d'elle. Ok. Comment tu vas? Je vais bien. Hey. Alors, dis-nous à propos de la ville. La ville. C'est vraiment un bon endroit, un bon endroit. Hé, papa, Adou les savait partir. Nous voulons l'accompagner. Mais Obina est là pour le faire. Je le fais maintenant. Ça ne dérange pas, papa. Ne vous inquiétez pas. Je verrai Obina plus tard. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Alors, toutes les deux là, vous voulez me la voler? Vous voulez aussi l'accompagner? Okoya? Hein? Oui, oh. Papa, ne t'inquiète pas. Nous allons rentrer vite. Pas de problème. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de bouger tes os comme un chien qu'on a donné aux os. Je suis heureuse, non? Papa, je veux juste vous remercier pour votre hospitalité. Merci pour tout, papa. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma fille. On attend, ma mignonne, vous belle fille. Hein? On attend... Je t'en prie, ma fille. Je dois partir maintenant. Très bien. Allons-y. Très bien. Hein, je vous le laisse pour vous, Della. Prenez-la. Prenez-la. Alors, viens, viens. Elle est très, très mignonne. Hey. Vous avez vraiment l'air de l'apprécier. Hein? Je vous l'avais dit, papa. Je vous l'avais dit. Adolé ça, qu'est-ce qu'il y a? Obina! Obina! Obina, s'il te plaît! Obina! Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Obina, oh. Viens, s'il te plaît! Je ne sais pas ce qui est arrivé à tes sœurs. Viens, oui! C'est où? C'est où déjà? Là-bas? Ojo! Okay, Obina! Les péchés des parents poursuivront les enfants. Adosi. Silence, Mazo Keke. Tes péchés commencent à te condamner. Souviens-toi ce que tu as fait 40 ans passés. Timo, hey, je pensais que c'était un animal. Hey, mon Dieu, Timo. Tu m'as laissé dans ces champs sans toutefois m'aider. Pardonne-moi. Je pleurais pendant 3 jours avant que je meure avec beaucoup de peine.
Maintenant, je suis venue te détruire et ta génération. Et tout ce qui te rend heureux. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.